mes amis Verseau. Allez, on va faire le tirage pour le mois de mars. Merci d'être là, d'être avec moi. Merci de votre soutien à ma chaîne. Plus on est nombreux, plus YouTube fait diffuser les vidéos. Donc, merci, merci énormément, merci. Hein, je ne sais pas si c'est bien français, mais bon, enfin bref, vous m'avez comprise. Et je règle bien ma caméra. Voilà, je pense que là, vous verrez tout bien. Voilà. Et puis voilà, merci de mettre un pouce, merci pour pour vos partages, vos commentaires, hein, vos prises de rendez-vous. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà, allez mes amis Verseau, nous y allons pour mars 2022. Allez. Allez, première, la thématique du jeu, eh ben, c'est la roue de fortune, mes amis Verseau. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, mes amis Verseau. La roue de fortune. Voilà. Donc, eh ben, vous êtes en plein changement, les Verseau, hein. Vous êtes vraiment en pleine mutation de vous. Tous vos projets devraient se réaliser normalement, hein, si tout marche bien. Et vous êtes en plein changement, quoi. Hein. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Verseau, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, pour les Verseau, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, l'égarement. Regardez tous ces papillons. Ils sont magnifiques, hein? On me dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ça, c'est bien le Verseau, hein? Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, mes amis Verseau. Ne faites pas trop marcher votre mental et vous verrez j'essaye de régler. Excusez-moi. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Ne cherchez pas, voilà, arrêtez de faire marcher votre mental. Arrêtez que ça soit votre ego qui prenne le dessus. Et vous verrez que tout fonctionnera à merveille. Voilà, excusez-moi, on m'a appelé, donc j'ai dû faire pause. Voilà, donc comme je vous disais, vous êtes en plein changement. Arrêtez de faire travailler votre mental, arrêtez de réfléchir pour peu de choses, parce que moi je sais que je suis Verseau, donc je réfléchis pour peu de choses. Et surtout, arrêtez de faire fonctionner votre ego. L'ego, s'il vous dit non, ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver, eh ben, dites-vous que si, vous allez y arriver et que vous allez avancer évidemment dans le bon sens. Nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs ce que cela nous dit. Allez, pour les amis Verseau. Les amis Verseau, mars 2022, s'il vous plaît. Les amis Verseau, mars 2022, s'il vous plaît. Amis Verseau. Allez, nous allons faire un tirage en 9, en 8 cartes, la 9e en synthèse. Allez. Les amis Verseau, mars 2022, tirage général. S'il vous plaît, mes amis Verseau, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Eh oui, vous allez travailler. Alors, il y en a qui vont peut-être... qui vont travailler, évidemment, qui vont travailler sur eux. Hein, ils vont faire un travail sur eux parce que pour l'instant, ils étaient peut-être dans l'échec. Hein.
Ils vont faire en sorte que leur projet avance. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, continuez comme ça, mes amis Verseau. Ouais, parce qu'il y en a certains qui se sont trouvés peut-être dans l'échec, peut-être, hein. Mais ils trouvent de l'amour et peut-être une personne qui est à distance de vous. D'accord? Voilà, mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le moment? Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein, c'est la fatalité, voilà, vous tombez là, vous tombez plus bas. Mais vous allez vous remonter, les Verseaux. Exactement, regardez, nous avons le oui. Vous réussissez votre examen. Et oui, vous êtes dans le bon timing. Vous avez beaucoup d'amis qui vous soutiennent. Ça, c'est génial. On me parle de la polarité masculine. Que vous soyez une femme, un homme, c'est pareil. Vous prenez de la hauteur hein, sur cet examen. Ben, vous prenez de la hauteur. Vous êtes plus assuré, plus fort. Hein. Voilà. Vous vous séparez avec tout ce qui était contraire à ce que... À ce qui n'allait plus avec à ce que vous faisiez, quoi. Voilà. Et dans vos amis, il y a peut-être des jaloux. Attention. Hein, on a beaucoup d'amis, mais peut-être qu'il y en a qui vous envient. Et oui. Là, vous tenez presque le monde entre vos mains. Hein, donc, l'étranger. Donc, vous partez peut-être. Vous partez peut-être pour une région étrangère, pour un travail à l'étranger, peut-être pour une mutation, mes amis Verseau. Vous partez peut-être pour un autre travail, une autre direction de voie. Peut-être allez vous mettre une création que vous, voilà, vous êtes peut-être créateur de votre vie, donc peut-être. Peut-être allez-vous en faire un métier de ce que vous créez. Voilà. Donc, écoutez, dites-moi si tout cela vous parle. On va aller voir avec l'oracle G. Comment cela peut nous parler par les amis Verseau, s'il vous plaît. Mars 2022, s'il vous plaît. Amis Verseau, mes guides, s'il vous plaît, pour les amis Verseau, mars 2022. Amis Verseau, mars 2022, s'il vous plaît. Allez. Alors, sur la fatalité, ben exactement, nous avons. Vous allez réussir à faire tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que. Tous vos désirs vont être exaucés. Sur l'examen que vous obtenez, ouais, vous êtes à l'écoute de ce que vous faites. Hein, donc, sur le bon timing, ouais, vous avez un choix. Donc, vous allez prendre un choix, vous allez faire le bon choix, je pense, mes amis Verseau. Sur l'amitié, eh ben, écoutez, on me confirme que ce que je viens de lire là, eh ben, c'est la confirmation. D'accord? Vos amis sont là, ils vous soutiennent. Vous allez exaucer évidemment vos désirs, vos souhaits. Donc peut-être de partir à l'étranger. Vous allez vous écouter. C'est pas mal. Un Verseau qui s'écoute. Attention. Je critique pas, je suis Verseau. Et c'est le bon timing pour faire le bon choix. Ensuite, sur la polarité masculine, à la lune, tout espoir est perdu. Enfin, oui, vous avez, c'est pas tout espoir est permis, c'est que vous avez encore des doutes, vous avez quelques doutes, mais on vous dit que quand même, ça va se réaliser, quoi. Sur le voyage, vous prenez de la hauteur, oui. Vous faites ceci pour créer votre foyer. Sur la séparation,
Bah oui, oui, c'était fluctuant. Donc, évidemment, vous allez rompre peut-être un contrat avec une entreprise, hein. Moi, je pense que parce que bah, vous vous sentez plus à votre place, les amis Verseau. Donc, et c'était fluctuant. Il y avait des hauts, des bas, et c'était stressant pour vous, quoi. Donc, là, vous allez y aller, hein. Vous allez, je pense, il y en a qui vont donner leur démission. Et sur la jalousie, nous avons. Ouais, la jalousie, c'était cet hiver. Là, vous mettez de la froideur entre ces personnes et vous. Il n'y a pas de problème. Et en synthèse, nous avons, et ben voilà, changement de direction, changement d'orientation. Vous déménagez. Voilà, mes amis Verseau. Ben, c'est pas mal. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Ben oui, la route a été longue, hein. Mais vous avez trouvé votre voie et pécuniairement, eh ben, votre banquier va être content de vous. Là, vous vous élevez, regardez l'avion qui prend de la hauteur. Là, on peut me dire, là, vous cassiez ben, la figure, hein, l'avion tombé. En début de mois de mars, à la fin du mois de mars, l'avion remonte. Hein, donc, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et vous, il y a peut-être des médisances, surtout par un jeune homme. Un jeune homme, hein, et peut-être que lui, il vous sort des médisances. Hein. Attention. Hein. Il est peut-être jaloux et vous allez prendre de la distance avec cette personne, mes amis Verseau. D'accord? Allez, on va continuer avec le Béline. Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ouais, il va y avoir des discussions, beaucoup de discussions pour mes amis Verseau. Allez, pour les Verseau, mois de mars 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons pour les amis Verseau? Voilà, donc. On va écouter, regardez, la clé de la réussite. Hein. La clé de la destinée, la clé de la réussite. Allez-y, mes amis Verseau, au mois de mars, c'est porte ouverte. Sur l'écoute, nous avons. Ouais, il va y avoir beaucoup de discussions et ça va être très enflammé. Hein. Attention. Hein. Sur le choix à faire, ah, il y en a deux qui sont venus. Sur le choix à faire, ben, écoutez, on me dit qu'il va y avoir, on va peut-être vous accuser, hein, donc, parce qu'il va y avoir un procès, mais ça va bien se terminer parce que nous avons des réunions, voilà, des réunions familiales. Il y en a qui vont peut-être vous accuser de faire un choix qui n'était pas, voilà, que eux n'imaginaient pas censé. Mais en fait, ça va vous rebooster, et puis vous allez les inviter autour d'une table, ces personnes, et puis ça va se clarifier, quoi. Voilà. Sur le point d'exclamation, nous avons. Oui, regardez l'entreprise. Vous allez créer votre entreprise, hein, mes amis Verseau. À la lune, regardez l'abondance. L'abondance en dessous de la clé, quoi. C'est magnifique. Sur le foyer, nous avons. Eh oui, pour l'instant, vous n'arriviez pas à construire votre foyer. Parce que, comme je dis, vous étiez peut-être dans une situation où le travail ne vous emballait plus, vous vous épanouissez plus. Là, on me dit que donc vous prenez de la hauteur, vous allez construire pour votre foyer, parce que là, c'était stérile. Hein. C'était vous. Mais les choses vont tourner en votre faveur. Hein, entre vos. Oh! 1, 2, 3. En votre faveur. Allez, on y va. Mais oui, regardez.
La fluctuation, oui, vous étiez en mode déprime, hein. C'est pas étonnant, hein. Et là, sur la jalousie, nous avons, bah, regardez, la méchanceté. Il y a celle-ci qui venait, et c'est l'étoile de la femme, hein. Donc, évidemment, ça pourrait être une femme qui est jalouse de vous. Ouais, c'est ça, ça me parle bien. C'est ce qu'on me dit là, exactement. C'est une femme qui pourrait être jalouse de vous et qui vous sort et qui vous a sorti et qui vous sort peut-être encore des méchancetés. Donc vous mettez de la distance, vous mettez de la froideur, hein, entre cette personne et vous, hein. C'est bien, ami Verseau. Et sur la synthèse, nous émettons. Ouais, vous étiez. C'était très lent, hein. C'était. Ouais, ça a été très long à venir, ce départ, ce déménagement, cette nouvelle destination. Voilà, vous êtes. Ouais. Vous étiez un petit peu. Un peu handicapé, quoi. Vous saviez pas quoi faire, vous ne saviez pas sur quel pied danser, quoi. Voilà, et vous avez la sagesse. Regardez, il y a la sagesse qui est là, qui vous dit, bah, allez-y, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit en d'autres decks? Eh bien oui, vous avez la renommée, vous avez hein, enfin, les guides, l'univers est avec vous, hein. On a l'héritage, donc peut-être une rentrée d'argent. Vous avez la grâce. Vous avez la famille. Les amis qui pensent à vous très fort. Hein. C'est le changement. Et peut-être un coup de foudre aussi pour quelque chose. Mais vous avez quand même la réussite. Donc écoutez, mes amis Verseau, allez-y. Hein. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Que diable, que diable. Voilà, mes amis Verseau, j'espère que le tirage vous a parlé. Je vais couper pour préparer le sentimental. Allez, à tout de suite. Voilà, mes amis Verseau. Donc, nous allons faire le tirage sentimental. Et on va commencer avec le chakra du cœur. Donc, j'ai gardé les énergies, hein, donc. Allez, pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour le sentimental, s'il vous plaît. Hop. Ça se barre dans tous les sens. Mes amis Verseau, s'il vous plaît. Hop, hop, il y en a trop. J'ai juste gardé la première qui est tombée. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une rencontre lors d'une sortie pour mes amis Verseau au mois de mars. Tout bouge maintenant. Alors, voilà. Voilà, c'est comme ça, hein, parce que celle-ci était en dessous. On me dit donc que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, mais vous n'êtes pas prêt. Mais au mois de mars, au mois de mars, oui, mars, marshmallow. Tout bouge maintenant, hein? Donc vous allez peut-être vous décider à bouger, les amis Verseau, hein? Pour sortir de votre isolement et de votre alors, qu'est-ce que ça me dit? Une rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà. Donc, bah, écoutez, il y en a qui vont faire des rencontres. Donc, peut-être lors d'une sortie. Vous avez peut-être commencé lors d'une sur un site web, peut-être. Et puis, vous allez décider de faire d'aller voir par vous-même ce que ça donne. Bon, on me dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, hein, mais tout bouge maintenant. Donc, laissez venir à vous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Un jeune homme ou une jeune femme blonde, oui, brune, excusez-moi, c'est ton âme sœur, âme familiale et concrétisation des projets. Et on a les enfants, donc projet, projet, hein.
Les enfants ne veulent pas dire forcément que des enfants, hein. Attention. Ben, si tout le monde faisait des enfants, non, non, non. Si vous êtes en période, enfin, si vous pouvez encore procréer, c'est bien. Si vous ne pouvez plus, eh bien, ça sera des nouveaux projets qui viendront à vous, mes amis Verseau. Nous allons aller voir avec le Béli. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein. Ouh. Avec l'améthyste Love. Allez. L'améthyste Love. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau, mars 2022, s'il vous plaît. Alors, on va faire pareil en 9 cartes. Hein. Verseau, mars 2022. Et on met la synthèse ici. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Et oui, vous voulez de la fidélité, de la stabilité. Hein? Donc, ça va venir, ça va venir. Vous êtes en pleine guérison. Hein? Soyez à l'écoute encore. On a encore la lune, hein, comme tout à l'heure. Avec l'oracle G, nous avions la lune. Donc, soyez à l'écoute de vous ce mois-ci. Attention aux médisances, vous voyez, elle revient encore. Et nous avons un nouveau départ avec Bélier, Taureau, Gémeaux, mais ça c'est aléatoire les signes astro. Nous avons donc au printemps, donc fin mars, d'accord? Fin mars, le printemps, nouveau départ, d'accord? Et vous êtes prêts à soulever des montagnes et vous avez la réussite, le succès, il n'y a pas de problème, un déménagement. Eh bien, écoutez, hein, ce n'est point mal du tout. Hein, ça pourrait être pire. Allez, mes amis Verseau. Oui, vous allez avoir un choix à faire. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, c'est ce que je disais. Vous êtes dans la solitude. Et vous allez avoir un choix parce que bah vous bouillez d'envie de rencontrer quelqu'un pour les célibataires ou si vous êtes en couple et ben vous bouillez d'envie de comment dire bah de faire de nouveaux projets, voilà. Là, on me dit que depuis cet automne, vous êtes en détachement, une période de lâcher prise. Hein, donc, voilà. Là, on a de la réconciliation. Donc, peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre autre si vous êtes en couple. Si vous êtes tout seul, vous vous réconciliez avec l'amour, quoi. Là, mode famille, eh ben oui, vous comptez sur votre famille. Là, il y a des, peut-être, il y en a qui sont triangulaires, mais on a l'APN qui fait que vous allez rencontrer l'amour parce que vous êtes en mode on-off. Vous êtes en, ouais, vous êtes en relation instable pour l'instant, mes amis Verseau. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix parce que vous êtes en mode silence. Que vous bouillez de sentiments, vous avez envie de retrouver l'amour pour les célibataires. Ou si vous êtes, comme je disais, en couple, vous avez envie de nouveaux projets, de faire des nouveautés avec votre compagnon, votre compagne. Voilà, vous mettez ce qui vous parle. Pour vous, on me dit que cet automne vous étiez en mode de détachement, hein. Vous étiez en mode de lâcher prise, mais vous allez vous réconcilier. Vous êtes peace and love, voilà. Vous revoyez des membres de la famille, peut-être aussi,
Et vous allez devoir faire le choix de peut-être deux hommes ou de deux femmes, tout dépend de qui vous êtes. Il y a peut-être deux personnes qui vous tournent après et vous ne savez pas qui prendre. Voilà. Mais vous allez savoir, vous allez faire le bon choix parce que vous allez avoir en fin de mois. Le happy end, voilà. Après une relation stable, oui, si vous étiez le cul entre deux chaises pour une personne, et ben évidemment, vous pouvez être que dans une relation instable. Mais on me dit qu'il y a un déménagement, un succès, vous êtes prêt à soulever les montagnes. Là, au printemps, vous partez sur un nouveau départ, vous allez vous écouter, vous allez guérir et vous allez avoir une guérison, une relation stable, fidèle, qui dure dans le temps. Donc, mes amis Verseau, ne vous prenez pas la tête. Vous êtes en total changement, d'accord? Et ne cherchez surtout pas de mental, de réponse avec votre mental. Hein? Écoutez votre cœur. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Nous écoutons notre cœur. Pour faire des choix comme ça, il faut écouter son cœur. Allez, on va prendre les rêves enchantés. Les rêves enchantés pour voir ce que ça nous dit de plus. Allez, sur le choix, nous avons, ben voilà, hein, le choix, vous voulez un foyer, donc vous allez mettre tout en œuvre. Voilà, sur le pas de dialogue, ben oui, vous vous êtes reposé un petit moment, vous vous êtes reposé. Vous êtes peut-être, vous avez beaucoup questionné. Et bien maintenant, il faut faire le choix et il faut repartir de nouveau. Sur la chaleur, ouais, vous prenez la bonne orientation, vous étudiez la question, comment faire pour qu'il me voie comme je suis? Si vous êtes en couple, voilà, comment faire réagir votre autre pour qu'il accepte de faire des nouveautés avec vous? Si vous êtes seul, bah, comment faire pour trouver l'âme sœur, quoi. Et même le détachement, ouais, il y avait trop de mouvements autour de vous, hein, il y avait trop de monde autour de vous ou de votre autre, il y avait trop de monde et je pense qu'il y en a qui ont lâché prise. Vous vous êtes détaché parce que, bah parce que ça n'allait, voilà, ça collait pas. Réconciliation, ouais. Bah, faut trouver d'abord la sortie du labyrinthe, hein, pour se réconcilier, mais vous allez le faire. On va voir. Voilà, vous avez la protection divine, donc vous allez pouvoir vous réconcilier assez aisément, quoi. La famille, qu'est-ce que ça nous dit, la famille? Eh bien, la famille, c'est que vous êtes protecteur, regardez. Vous êtes un ours, vous êtes fort comme un ours, vous avez de l'abondance d'amour à donner. Donc, allez-y, sur la triangulaire. Ben oui, vous voulez de la stabilité, encore une fois. On l'avait là, hein, donc ça revient deux fois. Hein. Sur le happy end, et ouais. Ça va venir doucement, mais sûrement. Et sur la synthèse, voilà, qu'est-ce que je disais? Vous êtes dans le bon timing. Mes amis Verseau, vous êtes dans le bon timing et vous allez réussir d'ici la fin du mois de mars à concrétiser parce que les jeux sont faits. Là, on me parle d'une femme sensuelle, peut-être la troisième personne, hein, mais vous allez réussir à couper tout lien, toutes les attaches, hein, à faire tomber des masques aussi. Voilà. Là, ouais, vous prenez la bonne orientation. Malgré quelques doutes, vous allez concrétiser. Voilà, c'est pas moi qui parle, ce sont les cartes. Ben voilà, mes amis Verseau, c'est pas mal tout ça.
Allez, on va faire une réponse angélique pour mes amis Verseau et puis une réponse avec l'oracle, le livre des oracles. Et on en est à 29 minutes. Et bien, je pense que c'est pas mal pour le mois de mars. Si vous avez, si le tirage vous a parlé, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez tout en barre d'infos ou dans mon ou dans ma rubrique communauté. Hein? Allez, pour les amis Verseau, s'il vous plaît, mois de mars 2022, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Alors, on y va. Alors, j'ai celle-ci, hein, qui me dit, la méditation apporte des réponses. Donc, tout dépend de la question, mais ouvrez-vous à l'univers, ouvrez-vous à vos guides, à vos anges. Voilà, méditez. Vous avez plein de méditations sur YouTube qui sont très, très, très bien. Et on me dit, deux grands changements positifs. Changements positifs. De grands changements arrivent à vous, hein, mes amis Verseau. Hein. Donc, c'est pas pour rien, quoi. Nous allons aller voir une réponse avec le livre des miroirs, le livre des oracles. Ouf! J'ai du mal à faire des phrases aujourd'hui. Mes guides, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, tout l'univers, quel est le message pour mes amis Verseau pour le mois de mars 2022, tirage sentimental, s'il vous plaît. On me parle de vous avez, les feuilles de thé désignent un dollar, dessinent un dollar seulement, si vous en avez les moyens. Les feuilles de thé dessinent un dollar seulement si vous en avez les moyens. Bah écoutez, à méditer. Méditer, méditation. Voilà. Et bien écoutez, comme je vous ai dit, si le tirage vous a parlé, merci de liker, de vous abonner, de faire vivre ma chaîne. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite.